Rien à voir avec le make-up, mais j'ai trop envie d'essayer un truc, je te montre. Ça me fait envie, hein, non? Bon oui, je suis en mode poupouille, mais c'est le week-end, hein? On se détend. Alors pour commencer, tu te prépares trois petites choses comme ça qui sortent du cul de la poule. 30 grammes de sucre, roux, blanc si tu veux. Moi, je suis bêtement la recette, hein? Et 10 grammes de maïzena. Accroche-toi à ton téléphone, ça va aller vite. C'est parti, mon kiki! Alors, les œufs, il te faut que les trois blancs, les jaunes, t'en fais ce que tu veux, tu te le fous dans une omelette, dans des pâtes, dans ce que tu veux. Donc, tu montes ton neige, et quand ça commence à mousser, tu claques le sucre. Et là, tu testes. Si ça se casse pas la gueule, c'est que c'est bon. Ah oui, faut des pépites de chocolat. Puis, si comme moi, t'en as pas, tu utilises les grands moyens. Oui, on me dit toujours que je suis très douce. T'as quelque chose à redire? Et là, tu mélanges délicatement. Oui, ça m'arrive. T'installes ça sur une toile de cuisson et tu t'emmerdes à faire un ballon. Et par souci de côté esthétique ou juste parce que tu te dis que t'en as pas mis assez, tu rajoutes du chocolat. Puis tu l'enfournes 20 minutes à 160 degrés. Et tu fais pas comme moi, tu fais gaffe. C'est une banquise au bord de l'église. Puis, je sais pas, pendant ce temps-là, tu chantes. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa, le papa pingouin. Allez, c'est cadeau. Et pendant ce temps-là, t'as un pingouin qui surveille le four. Bon, verdict. Je sais pas. J'ai l'impression, comme dit Lily, d'avoir fait un cookie géant. J'ose pas le toucher, c'est tout mou. Je sais pas ce qui s'est passé, le mien il s'est aplati. Bah après oui, c'est mou, hein, mais ça fait pas comme sur la vidéo, hein. On va goûter ça. Oh pétard, c'est bon. Ça ressemble pas du tout à ce qui est sorti sur la vidéo de la nénette, hein, mais c'est bon. Manque peut-être quelques minutes de cuisson à faire tester. Vous me direz si vous avez essayé. Dites-moi quoi. Bon, en tout cas, en attendant, tu peux te faire plaisir avec pas grand-chose.